Cette vidéo concerne le graduat de Parnassium. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Phil fut graduat de Parnassium. YouTube. Le graduat de Johann Joseph fut 1725. Un langue la graduat de Parnassium, locution latine signifiant monter au mont Parnasse. Parnasse parfois simplement appelé un graduat, un ouvrage pédagogique concernant la littérature, la musique ou les arts en général. Le mont Parnasse est la demeure dans la mythologie grecque et latine des neuf muses déesses des arts. Poésie. On a d'abord appliqué cette expression à un dictionnaire latin ou langue grecque dans lequel la quantité vocalique de chaque voyelle était indiquée dans le but de fournir une aide à la versification latine ou grecque. En effet, la métrique poésie métrique des poésies antiques repose sur la longueur des syllabes. Toujours afin d'aider l'étudiant, ce type d'ouvrage rassemblait également pour chaque entrée les synonymes, les épithètes et les expressions poétiques ainsi que des extraits d'œuvres célèbres. Le premier graduat de Parnassium fut compilé en 1687 par le jésuite Paul Allais 1656-1727. Musique. Le terme fut ensuite appliqué à la musique. Johann Joseph fut publia un graduat en 1725, véritable traité pédagogique de l'art du contrepoint, rigoureux contrepoint. Cet ouvrage eut un énorme succès et servit à la formation musicale de Mozart et Haydn. D'autres séries d'exercices musicaux reçurent ce titre, par exemple pour le piano par Muzio Clementi ou Karl Czerny, ou encore pour le violon par Ernst M. Claude Debussy parodie ce type de recueil en intitulant Doctor Graduat de Parnassium, allusion à Clementi, la première pièce de sa suite pour piano Childre Corner. Édition récente. Johann Joseph fut graduat de Parnassium. Texte original intégral. Introduction, traduction et notes de Jean-Philippe Navarre. Édition Mardaga 2000. ISBN 2 870 097 425. Johann Joseph fut graduat de Parnassium. Traité de contrepoint avec disque compact. Traduction du texte latin de Jean Gévoëlé et Irène Seyap. Henri Lemoine et Combe. Édition Henri Lemoine 97, page 2012. ISM 9 790 230 989 336. Catégorie locution ou expression latine. Catégorie pédagogie.